Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un petit épisode sur Car Mechanic Simulator. Nous sommes level 19, messieurs dames, toujours avec notre Nissan qui est ici. Mais aujourd'hui nous allons commencer avec la prochaine mission principale. Et il s'agit de, on ne sait pas qui d'ailleurs, mais il faut réparer une Sixon ou Sixon Cébullion. Et puis voilà. Donc c'est bonjour, j'ai été victime d'un accident de la route. Mon bien-aimé Sixon de sport a été gravement endommagé. Un petit taco est sorti d'une rue latérale et je n'ai même pas eu le temps de réagir. Tout s'est passé si vite. Tout ce que j'ai vu, c'était un nuage de fumée s'élevant sous le capot après être sorti de la voiture. Il s'est avéré que ce n'était pas trop mal. Le pare-choc déplacé un peu et un phare endommagé malgré un bruit étrange du compartiment moteur. Je me suis dit que je rentrerais chez moi, malheureusement mon plan a échoué, tout s'est éteint après avoir parcouru 100 mètres. Je pense que la batterie est peut-être endommagée. Alors si avec la batterie, car la voiture ne démarre plus du tout, vérifiez ce qui s'est passé et faites ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne. Les pièces ne doivent pas être neuves, il est important qu'elles soient bonnes, bonnes pour le portefeuille. Ouais. Ne doivent pas être neuves, mais je fais comment? Parce que j'ai quelques pièces qui sont... d'occasion, sauf que... Oh putain la vache. Sauf que sous l'ouberde. En fait. Je vais pas avoir le choix, mon pauvre ami. Putain, il y a du... Oh, il y a de la casse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit autre tâche. Changer le liquide, changer les liquides, vérifier l'alignement des phares, vérifier le parallélisme. Je peux te changer quelques liquides pour l'instant, mon petit. Mais ça va te coûter cher, quand même. Je vois quelques pièces, même la boîte à vitesse, elle est peignée. Un amortisseur, je vais regarder ce que j'ai en pièce d'occasion, mais est-ce qu'il va les vouloir? C'est moins sûr. Ok, donc ça c'est fait. Là, donc ça on change du coup. Et ça aussi, je vais faire ça en même temps. Berceau moteur qui est peigné aussi. Je sais pas si j'en ai un. J'accumule un petit peu des pièces, mais pas assez pour tout ça encore. Hein. Ok, remplis-moi ça. Hop. Côté gauche a morflé quand même. Hein. Il la casse. Allez, je te mets une goutte en plus parce que c'est toi. La voiture ne démarre pas, faut que je regarde la batterie aussi, c'est vrai. Faut que je regarde la batterie... Je vais lancer les tests à la con, comme ça je serai débarrassé en même temps. Ok, batterie peignée. J'ai le chargeur de batterie, je crois. Oui, j'ai tout. Ok, démerde-toi, ça va pas prendre beaucoup de temps. On va changer, on va lancer les tests à la con, mais... c'est histoire de faire du point, parce qu'en règle générale, je n'y suis même pas. Sur des bagnoles normales, je m'en sors à peu près correctement. Donc bon, c'est vraiment histoire de faire un peu de points. Ok, la suite, monseigneur. Ah oui, bah oui. Attendez, je vais remettre la batterie avant quand même. Elle est pleine ou pas ta batterie là? Je pense pas que ce soit une batterie qui empêche le démarrage du moteur. Pourquoi pas? Peut-être. Enfin si, peut-être que là, oui. En l'occurrence, c'est ça. Bon, pourquoi pas. Il y a le bocal qui est peigné aussi, le bocal de liquide de refroidissement. Oh, le moteur est propre. Hein. C'est déjà cool, on va pas mettre le nez dans le moteur. Enfin, pas dans. Pas en profondeur en tout cas. Démarreur, relais. Fusible. Oh, c'est bon, tout est bon là, à ce niveau-là. Ah! Boîtier du ventilateur directeur. Bon, ça on le savait. Hein. Je l'avais vu. J'ai fait ça. Bon, les pneus. Il y a une jante qui est foutue de toute façon. Donc. Ouais, le pneu il est pulvérisé. Ok. Et du coup, il me reste ça. Ça nous fait du point. C'est très très bon. Apparemment, tout ce qui est moteur, on touchera pas. C'est plutôt cool. Ok, nice.
Impeccable, j'aime ça. Ok, donc à mon avis, ça. Je dois avoir ça. Je suis pas sûr en plus. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas dans quoi j'aurais foutu. Non, en règle générale, les bagnoles que j'achète, il n'y en a jamais de ces trucs-là. Je vais quand même regarder dans moteur. Il faut vraiment que je reprenne. Enfin, que je reprenne. Il faut vraiment que je fasse du tri autrement que ça. Non, j'en ai pas. Je vais changer tout de suite. Parce que c'est un truc, j'ai pas besoin de démonter la voiture. Enfin, d'autres pièces pour le remettre. C'est où, c'est là. Pourtant, j'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, mais je suis déjà du père, ça y est. Je suis déjà du PA. Ok. Hop et hop. Je crois que je peux déjà le remplir d'ailleurs. Parce qu'on touche pas au moteur. Il y a le filtre à changer aussi, je vois. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Roger? Je vais vendre ça. Qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis que c'est la merde. Changer l'équipe de refroidissement. Vérifier l'alignement des phares, vérifier le parallélisme. Ça, on le fera à la fin. Hein. Ok, donc ça là-dedans, parce que là, il y a de la casse. Donc ça, c'est foutu. Ça, c'est foutu. Ah merde! Du con. Voilà. Ça valait le coup que je le remplisse tout de suite, abruti. C'est pas grave, heureusement que j'ai de la thune. Bah oui, je suis con comme une valise, moi. J'ai pas pensé. C'est pas grave. Ok, on va remettre ça. Et je vais refaire le plein de ce bordel-là. Et puis après, on va s'occuper, je pense, de la carrosserie. Mais non, du con. Je fais de la merde, c'est terrible. Je la re-remplis. Putain. Je vais regarder le filtraire en même temps. Ça sera fait. Il y a la petite goutte en plus. Ok, je vais regarder le filtraire pendant que je suis lancé. Normalement, le couvercle n'a pas de mal. J'ai pas regardé. Je sais plus si on le vérifiait. Mais il n'y a pas de mal. Plein les baskets, pas le mal. Je regarde le dessous maintenant parce que je me suis fait couillonner une fois. Je me suis fait échauder. En règle générale, j'oublie pas. Quand je cherchais pourquoi le moteur démarrait pas ou je ne sais plus quoi, et puis il m'a trouvé le bas du couvercle, le boîtier du filtre. Ok, bon. À ce niveau-là, c'est bon. Ah ben attendez, il part choc. Est-ce qu'il y a d'autres pièces, par contre? Aile avant gauche, pare-choc avant, phare avant gauche, plaque d'immatriculation. Ben, c'est tout ce qui manque, en fait. Alors attends, il me faudrait une... Donne-moi ça. Voilà. J'ai pas, j'ai jamais acheté ces trucs-là, donc c'est pas la peine que je regarde. Ok, la section Cébulion. Donc, qu'est-ce que j'ai foutu là? Ok. Aile avant gauche. Phare avant gauche. J'ai dit quoi? Pare-choc avant. Et plaque. Bon, plaque standard, hein. Ça va pas nous faire chier. Hop. Et hop. Ok, on va remonter ça. Ça va faire bien dégueulasse. Parce que là, ça va être noir. J'aime ça. Est-ce qu'il va nous demander de la repeindre quand même? Pas du tout. Ok, c'est fait. On va faire la vidange, on va le faire. À peindre avec la couleur d'origine, ok. Je le ferai plus tard. Hein. Je le ferai plus tard. On va regarder ce bordel, faire la vidange. Allez, monte, 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 monte. Le A. Utilise. Oh. Ça valait vachement le coup. Oh putain, je te jure. Oh, faut que j'ai vendu tout le bordel. Non, c'est bon. Ah, ça valait le coup. Putain, je te jure. Faut pas grand chose pour me faire rigoler, mais bon. Oh putain, je te garantis, c'est... Connerie, connerie. Il y aura la barre au-dessus aussi. Et je crois qu'il va falloir démonter la roupette. Ça, là. Donc du coup, ça, ouais, voilà. Faut démonter les roupettes. Ah, je te jure.
Je démerde, les pièces, faut pas qu'elles soient neuves. Je vais faire ce que je pourrais, mais Maurice, je te garantis rien du tout. Hein. Ok, de ce côté-là, donc un berceau moteur. Je sais plus s'il y en a plusieurs types de ces bêtes-là en plus, donc ça s'est peigné aussi. Berceau moteur, du coup. Traverse avant. Traverse avant. Est-ce que j'en ai une? J'ai pas, ok, je vais acheter ça tout de suite. Je vais faire à mesure parce qu'autrement je vais être du père. Alors, traverse avant. Il est plus le vert au bordel là. J'aime pas faire si l'enveloppe était pulvérisée aussi. C'est les deux sur le côté. Ok. Ok, donc ça je peux le remettre. Normalement les cylindres blocs étaient pas foutus. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié ce détail. C'est un détail. Alors ici. Ça. Non, je peux remettre ça. Pas un problème. Je peux pas remettre la roupette parce que c'est pour après. Ici, faut que je démonte ce bordel-là. Et là, là c'est là qu'on va rentrer dans la casse. Un peu plus sérieuse. On va essayer d'aller faire ça. Heureux. Désolé, je dois faire pas mal de coupures, je pense, pendant la vidéo. Parce que je vous tourne la vidéo largement en avance. On est samedi dernier, du coup. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Caitlin a une rhinopharyngite. Et en gros, il y a une des pharmacies qui n'a pas le produit. Non, mais c'est quand même grave, une pharmacie qui n'a pas le produit. Donc, faut que j'aille chercher. Enfin, va falloir que j'aille chercher. Du coup, elle a plus une autre pharmacie pour voir s'ils ont. Et s'ils ont, il va y avoir une grosse, grosse coupure parce qu'il va falloir que j'aille chercher. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Hein, on va pas. Les pharmacies qui n'ont pas les produits. J'adore. Ok, donc on va faire une par une, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de pièces en stock, en fin de compte. Hein. J'ai pas beaucoup de pièces en stock, en tout cas pas celles qu'il me faudrait. Donc, cette barre de merde, hop. Qu'est-ce que je peux changer tout de suite? L'amortisseur. De toute façon, non, je peux pas. Attendez, je réfléchis. Il faut que je change le bordel là, donc si, attendez. Plaquette. Disque, le cardan, ça faut que je change, donc il faut que je change, faut que j'enlève ça. La bague elle a du mal, le roulement pas du tout. T'as mis 10, ça va être chaud. Alors ça, ça, bah ça c'est pareil, faut que je démonte le cardan là pour changer la boîte. Et une boîte comme ça, je dois pas en avoir non plus. Ouais, on a encore pas. J'ai encore pas réparé suffisamment de voitures. Putain, faut que j'aille depuis là-haut, oh, Nikomouk. Nikomouk. Ok. Y a de la casse sur ta voiture, mon petit. Ça va te coûter bam bam. Je suppose que là-dedans, y a du petit bois aussi. T'as fait la vaisselle là-dedans, Maurice? Est-ce que je vérifie quand même? On sait jamais, hein, je vais peut-être vérifier malgré tout. Non, il n'y a pas de mal. Ok, cool. Cool, cool. La butée. Il faudra probablement que je change l'IRS sur la voiture de mon père. Amortisseur et ceci, et normalement j'ai tout. Donc l'amortisseur normalement j'ai, est-ce qu'il va en vouloir? J'en sais rien. Donc là tout est pulvérisé, donc on va voir si je peux monter quelque chose avec tout ça. Les trois sont foutus, donc amortisseur, ressort et coupelle. Ressort, amortisseur, j'ai pas de coupelle. J'ai pas de coupelle, sous le merde. Je vais acheter une coupelle. Je vais acheter le coupé. Ça c'est foutu.
Ça, c'est foutu. Ça, c'est foutu. Je vais essayer ma règle générale. Ils veulent jamais de mes, ils veulent jamais de mes pièces alors qu'ils veulent pas des pièces neuves. J'adore. Knorr. Alors, on va essayer de monter ça. Occasion, occasion. Erreur. Désolé, encore une. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Aucune pièce disponible. J'ai pas pris de bon ressort. Oh, ressort, j'ai pris. Je suis un fils de pute. C'est pas croyable. Alors, attendez. J'ai pas regardé, j'ai pas ouvert les yeux. Ressort arrière. J'ai que des ressorts arrière. Ressort avant. Ok. Le téléphone qui sonne toujours, ça m'intéresse. Bon, on va pas tarder de le savoir, verdict. C'est ça qui est chiant, parce qu'ils veulent... Ah merde, faut acheter ça, putain. J'en ai de ça. Porte-moyeu avant. Avant type, type je ne sais pas quoi. Avant type. Avant type, d'accord. Porte-moyeu avant... Pourquoi il y a des jantes là-dedans? Ah ici, j'ai rangé comme ça. Oui, c'est vrai que c'est pas la même partie. Ok, j'en ai un. Un œuf d'ailleurs, donc j'ai dû l'acheter pour rien, je pense, ce truc-là. Ok, bon, ça, ça ne va pas me faire chier. Par contre, ça va être ça le problème. Hop. Est-ce que tu vas le vouloir? Ah putain, vas-y, c'est chiant. Mais ils sont chiants, putain! Oh, les casse-burnes! Allez, c'est reparti. Je vais leur mettre du neuf, ça m'agace. Ok, donc ça. Ça, ça dégage. Et puis pour le reste, j'ai rien repris, donc il me faut... J'aurais pu les garder pour mettre en note, mais bon. Amortisseur avant, ça doit être type A. Ouais, et ressort. Ressort avant. Ok, faudra vraiment que je... Je sais pas si on peut les réparer, ces pièces-là, plus tard. Les amortisseurs. Si on peut, il faudra vraiment que je les débloque, mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite encore, hein. Ok, bon, je vais le remettre, du coup, vu que je l'ai. Et puis, le reste, je commanderai. Et puis, c'est tout, ils me font chier. Ça vaut bien le coup que je me casse la tête pour eux, quand même. Mais non, du con. Ça, j'ai déjà remis. Eh bien, cette petite musique. Bon, elles sont bien toutes en règle générale, quasiment. Ça, je le ferai après. Ça. 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 Et ça. Le reste, j'ai déjà fait. Donc ça, je l'avais déjà. Boîte à vitesse R4. Mais non, du con. Violette. Rotule, donc ça c'est tout côté gauche. La flasque. Le cardan. Le disque de frein ventilé. Plaquette. Erreur une nouvelle fois. Donc je sais plus si j'ai acheté ce truc là. C'est la vidéo, ça va être une boucherie. Mais alors une shit coupure, ça m'a. Ah ça c'est même pas ça. Putain. Mais bon. C'est comme ça. S'il en bloque donc 2. Et le filtre. Certainement qu'il va me manquer encore du bordel. Mais ça, on verra plus tard. La boîte à vitesse. Toute neuve, toute brillante, toute belle, 20 dieux. Ça. Donc, tout côté gauche, de toute façon. Donc. Ah, j'ai encore le pineux aussi. Donc, avant de vérifier. Boxon. J'ai encore le pineux. Hop. Les pièces ne doivent pas être neuves, mais quand je t'en mets d'occasion, t'en veux pas. Donc, pas content. Démerde-toi. Casse les couilles. Enculé. Putain, encore. Enculé. Donc, ça. Ça. Le pneu, ça attend. De toute façon, je peux pas le mettre. Hop.
hop et hop. Et hop. La rotule. L'autre côté, cardan. Hop. Ça. Et je crois qu'après, c'est tout. Je vais remettre le pineux. Je crois que j'ai tout. Si j'ai pas de conneries, je dois avoir tout ce qu'il faut. Ok, et donc du coup, il me reste des morts. Ah si, le filtre à huile. Merde, je suis où? J'étais en train de chercher où j'étais. Filtre à huile. Et du coup, le pneu. C'est où? Je suis toujours perdu dans ce garage. Pourtant, je le connais, hein, mais... Bah, le pneu et la jante, du coup. Ça va te coûter bonbon, parce que ça, c'est pas donné, Roger. Ça va te coûter bam bam. J'aime ce. Alors, un pneu. Donc ça c'est chiant ça. 215, 45, 17. 1. Oui, j'allais mettre 2. Abruti. Et les jantes. Donc là c'est 17 des ports 0. Impeccable. J'enlève ça. On va remonter tous. Monter, hop et hop. Ah, c'est beau, ça brille, hein. Ça coûte cher aussi. J'aime ça. J'aime ça, ça va te soigner. Comme. Alors. Hop. Et hop. Quoi? J'ai pas équilibré, du con. Putain, c'est de votre faute. Je crois que c'est le premier coup que ça m'arrive, j'oublie d'équilibrer, bordel. Ok. Oh, c'est beau, ça brille. J'aime ce. Ok, c'est tout ce qu'il te fallait. Bon, faire la vidange, peindre. Vérifie l'alignement des phares et du bordel. Ok, Nick. Nick. J'aime ça. J'ai plus rien dans mon boxon aussi, démarreur. Tu vas te barrer sans démarreur. Et tu t'émerdes. Hop et hop. Un vrai bandit. J'aime ça. Ok, le plein d'huile, please. Et puis ce sera bon. Ok, boum. Tu vas faire un petit tour. À la patour. Je te la nettoie pas, tu te débrouilles. Patour. Peindre avec la couleur d'origine. Blanc. Ouais. J'ai du mal avec le blanc sur les bagnoles en règle générale, personnellement. C'est joli, hein. Mais putain, qu'est-ce que c'est salissant. Tu vois tout, hein, les rayures. Tout. Bon, d'essai. Du coup, parallélisme. La bagnole, elle va en crabe. On dirait télescopique. Oh putain. Ça fait de la casse, mon salaud. Ok, l'ifor. Je ne sais plus, comme ça, je crois. Ah oui. J'aime ça. Impeccable. Missou. Au revoir. On rentre. À la maison. Impeccable. J'aime ça. Au revoir, Roger. Les sous. Du coup, ça, on va se la garder quand même pour samedi. Et on va faire une autre mission. Bah, celle-là. Voilà. Impeccable. Hop. Je regarde pas ce qu'il nous faut. On verra ça. Marron. Alors, qu'est-ce qui t'arrive avec ta voiture, toi? Les suspensions du jeu. La voiture n'accélère pas alors que le moteur tourne vite. Je ne sais jamais ce que c'est, ça. La boîte est très dure. Bah, c'est la boîte. Oh, putain, mais... c'est reparti.
Scanner bio, ça sent bibi, ça sent yo-yo, ça sent bibi yo-yo. Bobine d'allumage, ah, il y en a une qui fatigue. Bon, elle est encore largement bonne, hein. Ok, nickel. Ah, mes oreilles! Nom de Zeus! Pas croyable. Impeccable. Moteur est neuf. Enfin, pas totalement, mais bon. Il est pas mauvais, quoi. Démarreur, alternateur, fusible. Relais. Ça fait quand même une chier de points, c'est terrible. J'aime ça. Innova Mortel, c'est quoi Immortal? C'est quoi comme musique ça? C'est quoi comme pièce dans la voiture ça? C'est les pneus sport V12-12. J'aime ça. Ok, et du coup il nous reste celui-là. Après je ferai les machins de pilote psy, ça nous fera aussi des points et puis voilà. Est-ce qu'il faut atteindre 1500 points avant d'atteindre le prochain level hein. Il faut quand même un petit peu de temps. Ok, on va réanalyser par le dessous, n'est-ce pas? Je l'ai pas fait sur l'autre d'ailleurs. La suspension, ça doit être devant. J'ai pas regardé, mais ça doit être devant. C'est pénible. Ça fait quand même 11 points de plus. Là, puis pour une connerie, hein, tu fais ça. Hop, tu fais ça en même temps. C'est déjà 5 points. Là, ça en fera 11 de plus. Or je pourrais très bien faire de la méca des missions secondaires et tout, mais ce serait. Bon, alors je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant de faire plus de mécanique si le jeu serait très compliqué en termes de thunes. Disons que là, on a 130 000 boules. Voilà quoi. Donc j'ai meilleur temps de faire du point comme ça plutôt que de faire de mécanique, de la mécanique, de la mécanique sans arrêt quoi. Après c'est que mon avis, mais bon. Ils ont pas mis le niveau assez dur, je trouve. C'est sur tous les jeux maintenant. Ils mettent pas le niveau assez dur, c'est chiant. C'est chiant. Plateau de pression d'embrayage, j'ai vu. Ouais, faut démonter. Il y a la boîte qui est foutue, plus le plateau de pression d'embrayage. Ok, je pense que c'est pas trop mal. Pour le reste, de toute façon, on peut plus rien faire. Je crois pas. Ok. Alors du coup la boîte, donc on va falloir démonter encore les deux roues. Cardan encore. C'est ça hein. Oui pas ça, c'est ça. Ok, ça. Ça j'aime ça. Alors avec le tas de coupures que j'ai fait, je ne sais même pas combien on en est finalement. Après ça s'amuse, m'en fous, mais. Je vais essayer de réceptionner ma petite quand elle va rentrer parce que bah, la pauvre elle est fatiguée ce coup là. Ouais, je pense savoir quand c'est qu'il y a eu, il y a eu problème. Elle est, peut-être Juju est venu pas me retrouver au boulot, mais Juju est venu marcher avec la petite. Elle a marché. À cause de la poussette. Et en fait, il a commencé à faire frais quand je l'ai récupéré. Je pense que c'est là qu'elle a ramassé la rhino. Ah, c'est les choses qui arrivent. Hein. Ça va, 10 mois, c'est le premier coup qu'elle est malade. Ah bon, c'est quand même con d'avoir chopé la crève, Juju et moi, on s'est démerdé, la gosse l'a pas eu, on a fait tout ce qu'on pouvait, et là, pour une cochonnerie, elle ramasse une rhino. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, alors du coup, Juju s'en veut, c'est terrible. Alors que, bon, il est pour rien, hein, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas grave, hein. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on finit cette voiture et après, on saute là pour aujourd'hui, messieurs, dames. C'est déjà pas mal, on a déjà bien travaillé. Ah mais non, mais pas dans les jantes, ça sert à rien, tu trouveras pas. T'aurais pu mettre un tuning. V12-12. Merde, pardon. Là.
Tu chapeau pointu. Plateau de pression de Seymour. Après, ça, la boîte toute neuve. Toute brillante, toute neuve, impeccable, j'aime ça. Attendez, je réfléchis. Non, c'est bon. J'allais dire une sottise, c'est là qu'il faut que je mette le neuf. Normalement, on devrait être pas trop mal après. Je crois que c'est tout après. Hein. On va demander plus du jeu dans la spot. Et puis son histoire de moteur qui accélère et qui avance pas là. Normalement j'ai tout, sauf le démarreur. Il faut que je remette, que je vole pas celui-là non plus. Bon après il verra bien, il sortira pas du garage quoi. Et du coup la Nissan on la terminera je pense samedi. Tranquillement. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah bah voilà ma poule. Fous-moi le camp. Donc là, ah, presque 600 points. Donc on a fait, pas fait la moitié du niveau, mais on a déjà bien avancé. Et là, donc là c'est la soudure. Ah ça, c'est ça que je voulais tester. Pour réparer la carrosserie. Alors attendez, parce que justement j'ai quelques pistes de carrosserie chez Imwe. D'ailleurs j'ai des caisses aussi. Carrosserie, donc on prend, je sais rien, tiens, vas-y, Abdoulila, on prend ça. Carrosserie. Commencer à réparation. Donc faut mettre dans le verre. Hein. Donc, hop. Ça fonctionne comme ça. Je suis vraiment un sac à merde. Hein. C'est pas croyable. Ah, j'aime bien. C'est sympa comme truc. Du coup, là, on a tout à 100% Roger, c'est ça? Putain, c'est très très bon ça. T'as vu ce qu'on arrive à faire de l'eau main? J'aime ça. Et pour ce qui est. Alors attendez, parce que là, j'ai fait tout ce qui est piste de carrosserie, il faut que je le fasse du coup. Et du coup, on a la même chose pour le reste. Augmentation de la vitesse de vissage. Bon, ça, on s'en fout. Augmentation de la vitesse de montage, on s'en fout. 25% de chance de plus de recevoir un coffret cadeau, ça on s'en fout. Réduction de temps nécessaire pour examiner une pièce. Il n'y a pas pour le reste, c'est-à-dire que on peut pas, par exemple. Attendez. Suspension, par exemple. N'importe quoi, on s'en fout, prends ce qui te vient. Hein. Voilà, par exemple, ça, voilà. On peut pas réparer ce truc-là? Carrosserie. Tour à frein. Tour. Si on peut. Pièce. Oh putain, on veut tout faire. Je suis heureux, je suis refait. Ah oh oui, on a du boulot en fait déjà. Oh j'aime ça. Bah dis, on peut faire du neuf. J'aime ce. Donc là, c'est tout neuf là aussi. Mais du con. Oh, oh ça brille. Ça brille, j'aime ça. C'est cool quand même ça. Ah, je suis satisfait de la réponse. Ok, c'est bien sympa comme truc. Du coup, on fait les coffres et j'arrête là, hein, parce que ça fait 3 fois que je le dis, c'est incroyable. Une grange. Mille CR. Oh, mais tu sais que la thune, j'en ai plus guère besoin. Allez, 4 et 2. Merde, j'ai pas ce que je voulais. Je veux du XP, moi. Putain, j'aime ça, on va pouvoir faire de ces trucs de ouf, ça ne coûtera rien. Voilà, vous voyez, ce genre de truc-là, tu vois, si la partie serait vraiment difficile en termes d'argent, là, ça servirait. Là, en l'occurrence, on a tellement d'argent que ça sert à rien du tout. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est sympa comme truc. Il faudrait vraiment qu'ils mettent un vrai mode hard, ça pourrait être cool. Bref, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pas fait de miniature. J'ai pas fait de miniature, bah tant pis, on va faire là-dessus. Et puis voilà. Du coup, moi je souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes à la soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!